programmé pour la première fois sur l'antenne de France 2 en 2018, le feuilleton quotidien baptisé ainsi Grand Soleil, qui est diffusé du lundi au vendredi après le JT de 20h, avait initialement pour objectif de concurrencer les autres séries quotidiennes du petit écran, Plus belle la vie sur France 3, et Demain nous appartient sur TF1. Depuis la diffusion de son tout premier épisode, Ainsi Grand Soleil est devenu l'un des programmes les plus populaires de la chaîne publique. En l'espace de 5 années passées à l'antenne, cette fiction quotidienne a mis en scène de nombreux personnages à l'écran, dont certains sont présents depuis sa création. Si est notamment le cas pour Dev, interprété par la comédienne Emma Colberti. Dans une interview accordée au magazine Téléstar, en kiosque lundi 26 février 2024, l'actrice s'est notamment confiée sur le retour du comédien Stéphane Monpetit dans un Ainsi Grand Soleil, après 2 ans d'absence. Pour mémoire, ce dernier incarne le personnage d'Eliott au sein de la fiction quotidienne de France 2, qui n'est autre que l'Office d'Ève. Au moment où l'acteur avait quitté la série en 2022, son personnage était quant à lui parti en cavale. Certes, il y a de l'appréhension mais il y a aussi beaucoup de joie d'autant qu'il ne revient pas seul. Il est accompagné de Muriel, sa fiancée, très enceinte. Il se conduit en homme mature. Il ne veut plus vivre en cavale et veut régler ses affaires pour repartir du bon pied avec sa famille, a expliqué Emma Colberti. Ainsi Grand Soleil, la réalité risque de rejoindre la fiction pour Emma Colberti alors que le personnage d'Ève devrait donc bientôt devenir grand-mère, la réalité pourrait bien rattraper la fiction. En effet, Emma Colberti a révélé qu'elle attend à tout moment que son fils, âgé de 31 ans, lui annonce qu'il va être papa. Je me mets dans le bain grâce à la série, a ajouté la comédienne, dont le fils est en couple depuis maintenant 14 ans. Contrairement à son personnage dans Ainsi Grand Soleil, le fils de l'actrice ne risque pas de mettre à mal son histoire d'amour. Pour rappel, le personnage d'Emma Colberti est en couple avec celui de Moïse Santamaria à l'écran. Elle ne veut pas lui dire qu'Eliott est revenu parce qu'elle ne veut pas le mettre en porte-à-faux. Lui comprend très vite qu'elle lui cache quelque chose, a souligné l'actrice. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Téléstar, ce lundi 26 février.